Messieurs, bonsoir. C'est l'émission Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Si vous m'appelez D'Angelo Neyard, je ne me fâcherai pas. Délivrez-vous, c'est une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec des livres, parce que nous croyons dur comme fer à Télévision Caraïbes que les livres sont investis d'un pouvoir majuscule. Les livres ont cette capacité de créer du vivre ensemble. Les livres peuvent créer des liens de qualité entre nous et faciliter la circulation du savoir, faciliter la circulation et la rencontre d'imaginaires, mesdames et messieurs. Oui, nous avons besoin de livres pour faire pays, pour faire société, pour construire une humanité lumineuse. Aujourd'hui, à cette émission, je m'en vais recevoir une jeune auteure. Elle refuse tout carrément, tout qualificatif, la traitant, la faisant passer pour une écrivaine. Elle se définit comme étant une jeune auteure. Tenez-vous bien, mademoiselle a 18 ans, hein, n'est-ce pas, Rimbaud qui écrivait déjà ses meilleurs poèmes alors qu'il avait 14-15 ans et qu'il a tout arrêté avant d'avoir 25 ans. Mesdames et messieurs, j'ai sur ce plateau, on va dire, un parfum d'avenir pour les lettres haïtiennes. Je vous laisse respirer. On va respecter le squelette classique de l'émission. Voici la rubrique Temps Poème. Respirez, à tout de suite. Dans la rubrique Temps Poème, mesdames et messieurs, je m'en vais vous lire René Philoctète, l'un des meilleurs poètes haïtiens. Je vais vous lire la fin du poème qui a pour titre Marga. Je suis venu vers toi, nu et sans bagage. Tu m'as offert des fêlures de ciel tombées sur tes droits. Tu m'as donné les gemmes de ton rire et le bocage de tes baisers. Je ne demande rien. Ma vie s'attarde au nid et cueille à l'oiseau des tranches de levain. Je ne demande rien. Je veux avoir un rossignol à la croisée quand le pain est au four, avoir chaud dans mes draps si la chambre est trop froide. Je ne demande rien. Je veux des fleurs aux portes, des jouets pour les enfants et des tables chargées. Je suis venu vers toi. J'ai mouillé l'encre dans ton golfe. Marga de tous les bras tendus pour la récolte. Je suis venu vers toi. Tu m'as donné mes mains, ma force, ma raison. Et depuis, poète de la moisson humaine, je laboure les cœurs pour des épis d'amour. Mesdames et messieurs, Marga, l'un des meilleurs poèmes d'amour que la littérature haïtienne ait jamais connu. Et ce poème est de René Philoctète. Place maintenant, mesdames et messieurs, à mon invité qui s'appelle Emmanuela Dérissin. Avant d'ouvrir le bal avec mademoiselle Dérissin, je vous laisse respirer, mesdames et messieurs. À tout de suite.
Bonjour mesdames et messieurs sur le plateau Délivrez-vous et je peux vous le dire et vous ressentez peut-être ça chez vous depuis quelques jours, il fait particulièrement chaud. La température ressentie à Port-au-Prince est de 34 degrés. Le roman que j'ai en main est également d'une grande chaleur. Laissez-moi vous lire un petit extrait pris dans la page 112. Aujourd'hui, on me dit que des zones comme Martissant par exemple sont en rupture de stock de chaleur humaine, sont désertées car elles deviennent les scènes de concerts incessants, de détonations, et que ce ne sont que des monstres qui y font la loi. Qu'avons-nous fait que nous serions en train de payer? Le bon Dieu aurait-il égaré ses oreilles? La douleur semble déchirer, bordel. Emmanuela, bienvenue à Délivrez-vous. Bonsoir, merci Monsieur Néa. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Oui, je sais que j'ai toujours peut-être mon ancienne tête de professeur, mais tu peux toujours m'appeler D'Angelo. Voilà, c'est bon. Mais il n'en demeure pas moins du temps où j'étais prof, on m'appelait toujours Monsieur Néard. Oui. Ça me vieillissait pas mal. Hein. Mais ton roman, par contre, n'a pas ton âge, Emmanuela. Tu as 18 ans et j'ai l'impression que Au sommet de la plaine est un livre qui a 45 ans. Dis-moi, qu'est-ce que tu as accumulé comme somme d'expérience pour que tu arrives à engendrer cette œuvre? Moi, je pense que je vis. Et la première chose qui m'a aidée à, on va dire, à écrire ce texte, c'est ma capacité d'observation. Mm-hmm. Parce que pour écrire, il faut beaucoup regarder. Donc, j'ai beaucoup regardé et je pense que c'est ce qui m'a aidée vraiment. On me dit que le texte, il ne fait pas mon âge parce que le texte a été écrit à 16 ans, pendant les trois derniers mois de l'année 2021. Mais je ne sais pas, je pense que l'âge ne compte pas trop, que tout ce qu'il faut, c'est du cœur, c'est voilà, le travail, et puis ça ira. Emmanuela, est-ce que ce livre, tu l'as écrit pour avoir une bouée de sauvetage? Tu voulais à un moment ne plus être dans ce que tu vivais, tu voulais avoir un exutoire, et ça t'a porté à engendrer ce livre? Je pense que le texte ne peut vivre en dehors de l'histoire qu'il a engendrée, justement. Et je rentrais de chez moi, et là, je vois ma tante et ma mère debout et je demande qu'est-ce qui se passe. Et là, elles m'apprennent qu'un cousin de ma mère a été déporté de la frontière qui relie le Texas au Mexique avec sa femme et ses deux garçons, alors qu'il était en quête de mieux-être. Et ça m'a secouée parce que justement, c'était quelqu'un qui était très présent dans mon enfance. Il me portait sur ses épaules pour m'emmener à l'école. Et pendant la nouvelle, pendant la période, je lisais « Cahier d'un retour au pays natal » de Césaire, Césaire. Et je pensais que ce n'était pas un hasard. Et je pensais aussi que je devais quelque chose à mon oncle parce que pendant le trajet, j'estimais qu'il avait perdu quelque chose, son humanité. Et je voulais faire une restitution d'humanité. Et c'est de là qu'est venu le texte en vrai. Moi, j'écris parce que le texte, il me prend par le collet. Et s'il faut que je survive, je dois l'accoucher. Par rapport à je... C'est un texte qui est écrit dans la colère, dans une certaine rage, mais c'est aussi un texte fou. Oui. Ton narrateur est fou. Oui. Est-ce qu'il est vraiment fou? Est-ce que les gens que nous appelons fous sont vraiment fous? Ouais, la question se pose en effet dans le livre. Est-ce que ce que nous appelons raison est vraiment la raison? Est-ce qu'il existe une raison? Je pense que ce sont des questions qui m'ont habité pendant le texte. Et justement, le sentiment de folie, c'est un sentiment que frôle, on va dire, pratiquement tous les gens qui se voient déportés et qui reviennent dans une terre, bien que natale, mais une terre qu'ils ne pensaient plus revoir. Ce sont des gens qui partent pour ne pas revenir. Et ils ont tout dépensé pour quelque chose de mieux, pas pour pire. Et voilà, je pense que la folie, c'est essentiel pour le texte. Et en ce moment, ce que les gens fuient, ce n'est pas tant la misère. Là, je vais te lire un passage sur ce qui se passe actuellement, par exemple, à Village de Dieu, ce qui se passe à Sabane Pistache, ce qui se passe là dans ton livre à Martissant. Les gens fuient cette situation où des citoyens munis de AK-47 tuent d'autres citoyens gratuitement. Ah. Et les kidnappent tout carrément. Oui. Donc, est-ce que pour toi, la littérature a ça aussi comme mission, c'est-à-dire porter un témoignage sur le présent?
Bon, oui, elle ne peut y échapper, bien que des fois, des gens écrivent pour échapper au réel. Des gens écrivent pour, voilà, pour voir autre chose, pour quitter ce qu'ils vivent. Mais je pense que la littérature aussi peut arriver à faire un travail de mémoire. Je pense que dans 50 ans, quelqu'un lira ce texte et il saura qu'en 2021, la situation n'était pas jolie pour, voilà, pour beaucoup de gens. Et voilà, je pense que c'est ça, hein. Est-ce que ce texte est pessimiste? C'est-à-dire, es-tu en train de dire dans ce texte que tu penses que ce que nous vivons là, actuellement dans le pays, ça va durer longtemps encore et que c'est le pétrin, c'est le bordel carrément? Ah ben je n'en sais rien. Moi je suis dans le présent. Je n'ai pas de discours, on va dire, défini sur ce qui vient ou ce qui ne vient pas, sur ce qui va durer ou ce qui ne va pas durer. Je pense que les choses ont leur force naturelle. Et voilà, je ne sais pas trop. Mais où il y a un passage dans le livre là, mais même pas un passage, plusieurs passages qui en créole et qui mettaient en place de voix, ou pas même by nom, ou de numéro, 1, 2, 3, et bizarrement, passage ça carrément en créole. Et pour que ça, tout le livre là, pas soit en créole, mais soit en français. Pour que ça, vous mettez deux langues en cohabitation carrément. Bon, ben, ce métissage linguistique-là, c'est déjà pour me bailler, mon cap garde où j'ai évolué dans l'arrière, on voit. Parce que je voulais que le texte là univoque, même je voulais que le fou il parle en français, parce que c'est ce qui sonne, voilà, un peu hors norme pour nous, que un monde qui vient dans la rue, il a parlé français. M'imaginer Roger avec Antoine qui t'a dit veille en créole, ça n'a pas dit trop de bagages, ça n'a pas rien même en dit pouvoir et immédiat sous mon yo. Donc, je pense que oui, j'ai besoin de français pour créer un bagage qui est étonnant. Même si je voulais créer là tout parce que son langue m'attache avec un pile pour beauté, esthétique. Et puis, oui, passage théâtre, c'est justement pour yeux qui regardent Roger, pour ton discours sur la situation Roger avec Antoine, et puis poser cette question. Parce que si Roger a besoin d'histoire dans la rue, nous ne pouvons pas battre nos mains. Il y a le monde qui a questionné ce qu'il a fait là. Et c'est ça que je voulais dans la tête. Mais Roger est un illuminé quelque part, hein, parce que sa façon d'habiter le réel, ce réel si dur, si cruel, et il habite la réalité comme un véritable poète, quoi. Voilà, comme un poète. Et avec Antoine surtout, voilà, je pense que je mets beaucoup d'accent sur cette complicité. Mais ce sont des gens qui vivent une situation plutôt laide, mais qui se disent qu'ils sont capables eux-mêmes d'apporter leur propre lumière dans leur vie, qu'ils se créent leur propre bonheur. Et voilà, parce que je pense que oui, on a ce pouvoir aussi sur ce qu'on vit. On a ce pouvoir de trafiquer le réel et d'en faire ce qu'on veut. Et c'est ce qu'ils font. Ils se suffisent dans le chaos. Et ça, c'est une amitié tellement, on va dire, fusionnelle. Après, dans le passage qui est en créole, je remarquais qu'il y a un pile sous ta vle, proverbes créoles ou d'expressions idiomatiques, etc. Et j'aimerais te demander où est-ce que tu as appris ces expressions déjà. Parce que quelqu'un qui sait pas quitter au bord cabrit pour raisin. Ça me bat qu'on est déjà moi-même comme haïtien qui ai 31 ans, puis une vieille sous pied. Bon, ben c'est leur après écrit, faut faire un travail sur l'anglais. Et parce que moi-même, dans beauté, je pense que langue écrite là, déjà, son langue qui doit être lue en esthétique. Ça veut dire, pas de contenter, juste mettre des phrases comme ça, je voulais que vous travailliez. Donc, on travaille tout des textes là, on travaille de recherche, et c'est pas de bail qui vient comme ça, printemps, moi lis en pile, surtout pour partie côté, je dois décrire trajet en Brésil, États-Unis, donc c'est en pile recherche qui fait ça. Et pas comme quand on confond ça écrit dans le texte, on dit manière d'écrire là. Avec j'aime parler, parce que nous sommes une génération qui pas trop parler comme ça en vrai. Parce que les langues évoluent Absolument. et puis les langues ont changé, tout, ils ont réinventé tête. Donc, ben, c'est que oui, c'est ça. Après, il y a un passage, je me même voulu presque jouer lié avec vous, même si dit moins au bagon exemplaire, là, c'est plus compliqué. En parlant de lecture, on constatait que ce texte, c'est aussi un témoignage de ta culture littéraire déjà, parce que Baudelaire est très présent, Césaire est partout dans ce livre, Foucault est là quelque part.
J'aimerais savoir d'où est venue cette nécessité de restituer quelque part des lectures. Parce que je pense que la littérature est une grande chaîne et que chaque livre est un nouveau maillon. Et je vais parler de un monde qui a écrit, en tout cas de moi, je considère que c'est un naine qui sous épaule un géant. Mm-hmm. Et géant, pour moi, c'est toute la littérature d'avant moi. Et je pense que si la naine doit faire un pas, elle doit mobiliser toute la partie inférieure. Ça veut dire pas quelqu'un mais du commencement à la tête, même pas commencer rien. Parce que ce livre-là, tout, c'est un remerciement à tout livre qui était avant lui, parce que c'est eux qui permettent d'exister. Et puis, oui, à lecture, moi, et tout, parce que c'est. On pas qu'à écrire. Donc, on île, faut. Voilà. Ouais, j'ai dit, nul n'est une île. Voilà. Faut connecter. Et oui, c'est pour ça, c'est bon, causer intertexte. Mm-hmm. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la folie, parce que tout le texte est donc pétri de folie. Cette phrase de Michel Foucault, de l'homme à l'homme vrai, le chemin passe par l'homme fou. Après, que jamais la psychologie ne pourra dire sur la folie la vérité, puisque c'est la folie qui détient la vérité de la psychologie. Est-ce que tu considères, toi, comme auteur, est-ce que tu considères la folie un peu comme une gastrite du cerveau? Comme une maladie de la tête, tout comme on peut être malade dans le cœur, on peut être malade dans les reins. Est-ce que pour toi, la folie, c'est une maladie de l'esprit? Voilà. Bon, déjà, il faut prendre en compte les manifestations de la folie, de ce qu'on appelle folie, mm-hmm. parce que des fois, c'est malsain mm-hmm. pour l'être en question. Mais je pense que celui qui est fou, c'est celui qui, tout simplement, est déconnecté de notre raison à nous. Mm-hmm. Celui qui réaménage ses espaces de sens mm-hmm. et voilà et qui ne se suffit pas du sens commun mm-hmm. donc ben, c'est son monde qui pas même côté avec nous qui n'en monte pas et des fois nous garder le mal pas trop connaît pour qui ça et peut-être parce que voilà oui gon raison collective gon bail qui fait sens pour moi qui fait sens pour vous mm-hmm. et le gon l'autre monde qui définit geste en l'autre gens ça peut-être qu'a créé une distance mm-hmm. entre nous. Mais c'est comme ça que je définis mon fou, en fait. Ouais. Est-ce qu'un monde fou pour vous, lui augmenter la raison, c'est-à-dire lui bailler raison ou excentricité? Bon, oui, déjà, lui fait que raison a un poids. Ça veut dire raison a une loutre, ça veut dire raison a une. Par contre, on est en mission pour définir qualité, mm-hmm. être là. Ça veut dire un monde qui n'a raison, c'est un bon monde, et puis un monde fou, c'est un monde qui. Pas mérité attention nous qui pas mérité voilà qui non marge la société hein. Mm-hmm. Donc oui il a raison en force vrai voilà. Emmanuela Derissin au sommet de la plaine et Emmanuela recevoir prix Amarante en 2021 pour livre ça que c'est toi édition publié. Mesdames et messieurs, je vous laisse respirer, on revient tout de suite pour poursuivre cet entretien. Messieurs, sur le plateau Délivrez-vous, nous sommes au sommet de la plaine avec Emmanuela Derissin. Emmanuela, tu as reçu un prix pour ce livre. J'aimerais te demander qu'est-ce que cela signifie pour toi déjà, les prix littéraires. Petite parenthèse avant que tu me répondes. Et Mackenzie Orcel, qui s'est nègre Matissan, levé Matissan, grandi Matissan. Matissan qui a un problème, je dis à là, mais son jeune garçon qui t'est décidé d'occuper de faire le livre. Pendant le Matissan avec maman, il recevra pendant ce moment-là le prix Goncourt américain.
que les meilleures universités et dans l'espace états-unien décernaient un écrivain. Et son haïtien, son nègre Matissan. C'est une parenthèse pour me dire de jeunes qui sont dans de ghetto, là, de quartier difficile, pas quitter pièce monde limité, rêve-vous. Sous remé écrit, ou qu'a écrit, ou qu'a brillé, ou qu'a une carrière passionnante. Même j'ai avec un pile écrivain haïtien qui a rayonné partout dans le monde. Mais peut-être que Emmanuela a un petit prix littéraire. Elle qui a reçu un prix. Parce qu'un pile écrivain qui recevra un prix littéraire, il y a un discours anti-prix. Vous devez être très sexy. Il a dit pour moi les prix. Mais vraiment, le mec, il a 25 prix. Donc, quel est ton rapport avec les récompenses littéraires? Je pense que normalement, les prix sont des reconnaissances. Et ce n'est pas rien qu'un groupe de gens qui savent ce qu'est la littérature décide de saluer un texte. Bon, n'importe maintenant, les bacadimes, ça va faire rien. Moi, ça m'a secoué, j'ai beaucoup pleuré. Carrément? Oui. Deux rablots. J'ai beaucoup pleuré parce que bah, là, t'es une portée symbolique pour moi. Et quand je l'ai appris à mon oncle, qui pas trop n'est la littérature, non, mais ça dit long bagay. Que me décidé. Mettez l'histoire là en côté pour l'histoire pas jamais mourir et que l'histoire éternelle et puis il y a le monde qui salue le texte là et puis au sorti lui même et moi ça a été très important pour moi que des yeux compétents passent sur le texte avant qu'il soit publié et voilà pourquoi je n'ai pas entrepris on va dire singulièrement et les démarches pour que le texte soit publié de par moi. Donc je l'ai envoyé à ces trois et quelle a été ma surprise quand le texte était parmi les 8 finalistes. Personne pas de connaît que m'était dans concours. Et puis bon voilà. Et pas de quoi toujours non, mais finalement résultat final là c'est ceci et penser ça voilà, ça voilà. C'était très important pour moi. Et c'était très important aussi pour tes capitaines de la nuit parce que Nagyo c'est les personnages sont en train de marcher, c'est marcheur Nagyo et ça gagne justement rapport avec la migration. Et quel est ton regard sur la migration sous le fait que en pile monde qui était dans espace donné en train de quitter espace là. Comment tu vois ça? Bon, et je ne pense pas que de bon cœur quelqu'un puisse quitter sa terre natale. On va dire, sans ressentir quelque chose qui lui tient et qui lui dit qu'il a un sentiment d'appartenance à cette terre. Je pense que les gens, que beaucoup de gens qui partent aujourd'hui ne veulent pas partir. Mais les conditions sont tellement mauvaises qu'elles se voient obligées de, voilà, de quitter le pays. Mais moi, je ne dis à personne de rester ou de partir. Je pense que c'est une décision personnelle. Donc, au moins qui décide de partir, c'est peut-être parce que la personne se voit mieux ailleurs. Ou si la personne elle reste ici, c'est peut-être parce qu'elle peut vivre ici. Mais dans ton cas, ce n'est pas au cap décider. Étant donné que tu es toute jeune jusqu'à présent, le choix est entre les mains de maman qui regarde maintenant cette émission, ou de tati que je salue, etc. Mais, ou même sous ta bonne décision dans ça, sous ta bonne position sur ça, ce serait quoi ta position? Ma position pour partir. Pour partir ou pas? Je pense que je suis à un stade de ma vie où il faut que j'étudie. Que voilà que j'entreprenne des études sérieuses et mais je pense que mes derniers jours je les vivrai ici. Ah ouais, carrément, tu es bien attaché à cette terre, femme libre toujours, tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Dans ce livre, tu es politique aussi quelque part. Et en politique à la limite presque communiste, me trouver. Bah, allez savoir, hein. Les lecteurs trouvent des choses que les auteurs n'ont même pas mis dans leur livre. À un moment, tu critiques un petit peu la richesse des gens. Ou dis monde qui est riche, en pile fois, ils construisent la richesse sous don quantité malhérée. Donc, c'est une accumulation de monde qui est pauvre, ou bien qui est appauvri, qui crée de grandes fortunes. Bon, je ne pense pas que c'est moi qui ai le premier deal. Je pense que la réalité a dit avant. Je pense que oui, la situation, elle existe. Et c'est bien malheureux que des gens se voient chaque jour croupir dans la misère et que ceci enrichit d'autres. Bon, c'est très malsain. Mais je pense que ce que j'ai essayé de faire dans ce texte, c'est de rester dans la vérité. Donc la vérité s'est imposée. Donc je n'ai pas essayé de retenir certaines choses. Les choses, elles sont parties à leur libre cours et je pense que si j'avais essayé de faire autrement, cela sonnerait faux, factice.
etc. Donc voilà. Après, tu t'attaques à la mer. Hein. Tu aimes la mer, en même temps, tu la détestes. Hein. Tu écris « Ah, maman mère, que de souffle tu as éteint, que de sel de salive se sont confondus au sel de ton eau, que de carcasses humaines se cachent en toi, que de corps se sont ramollis dans tes bras, que de sang tu as bu. » Donc, la mère a bu beaucoup de sang de migrants, de sang d'haïtiens. C'est un regard sur la migration encore. Et la mère, je l'affectionne pour sa beauté, pour son caractère, on va dire. Comment elle fait du bien, certaines fois. Les vagues de la mer ont une musicalité. Et donc voilà, oui, mais la mer aussi, c'est le cauchemar pour certains. Et c'est faire ce parallèle qui a été mon choix. Et là, tu me fais penser à Rodney Saint-Éloi, qui a écrit dans un poème, pour résoudre le problème haïtien, il faut foutre la mer dehors. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup cette phrase. Souhaiter la mer. Et c'est après, ma chaîne, nous montons Miami, nous montons Canada, ma chaîne, etc. Il faudrait foutre la mer dehors. Tu penses aussi qu'il faudrait foutre la mer dehors? Premièrement, il faut voir que symbolise la mer. Ça veut dire si la mer, c'est déjà seulement en manière pour quitter la zone là, mais la mer en tout, c'est la beauté, c'est le bonheur, c'est l'aise. Donc oui, pas quoi trop fun voyer la mer. Fun voyer la mer à aller là pour nous marcher. Maintenant, je reviens à Baudelaire, parce que j'ai l'impression que Baudelaire, c'est peut-être une poète ou plus citée. J'aimerais savoir à quel moment tu es tombée amoureuse de Baudelaire, si c'est le cas déjà. ceci est vraiment le cas. Je pense que je respecte ces écrivains. Et Les Fleurs du Mal, ça, bon, c'est un texte magnifique, je pense. Bon, je n'ai même pas remarqué que j'ai autant cité Baudelaire. Mais j'ai commencé à aimer Baudelaire vraiment quand j'étais en 8e ou 9e année. Et que, voilà, je crois que dans la bibliothèque de l'école, il y avait Baudelaire. Et puis après, j'ai fait mes propres recherches et puis oui, voilà. Mais Les Fleurs du Mal sont terribles. Moi, j'ai eu une attention particulière pour un poème qui s'appelle La Charogne. Par contre, on est capable d'écrire une charogne avec tellement de talent que je suis tombé amoureux de la charogne, moi. C'est quelque chose d'être faux. Aragon aussi est quand même présent. Pourquoi Aragon? Quel est ton rapport avec Aragon? Pas trop, pas trop. Et des phrases comme ça, par-ci, par-là. Mais comme je l'ai dit déjà, le texte, c'est vraiment beaucoup d'auteurs, c'est beaucoup de voix. Parce que les belles phrases, je les adore beaucoup. Je pense que les belles phrases ont un pouvoir de résurrection. Et que celui qui peut se sentir mal peut se réfugier dans les belles phrases. Moi, je suis un peu comme toi aussi. Parce que les m'appeler, c'est pas tant l'histoire qui m'intéresse, parce que tout le monde peut raconter une histoire. Tout le monde a des histoires à raconter. Pour moi, le talent, c'est avec quel système de phrases tu arrives à porter ton histoire. Maintenant, Ponto Nekounia n'a que dossier qui c'est la migration. J'aimerais savoir quel est ton regard sur la politique migratoire des pays impérialistes. Le fait qu'ils veulent que des gens rentrent. Non, le fait que déjà, ils n'ont pas quitté mon rentrée pour commencer, ils n'ont pas rentré par bateau, etc. Le fait qu'un pays riche, c'est facile de voyager, mais quand tu viens du tiers-monde, c'est plus compliqué, il faut un visa. J'ai l'impression ça, je veux dire. Voilà, j'ai l'impression que beaucoup de pays ouvrent leurs portes pour les Haïtiens aujourd'hui. Et est-ce que la politique a changé? Mais pas vraiment ouvrir le vrai, parce que sous le programme Biden, on est dans quelque chose qui n'est pas très littéral. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas beaucoup d'Haïtiens qui vont partir. C'est à peu près 30 000, je ne sais plus, qui vont partir. Nous sommes à peu près 13 millions. Maintenant, je reviens quand même à ce livre. C'est maintenant, je vais prendre ta langue. Je vais prendre ton français. Je trouve qu'il y a une belle, on va dire, complicité. En ta façon d'écrire le français et la façon de Jacques Roumain d'écrire le français. Jacques Roumain fait ça en pile de expression en créole. Il se traduit presque littéralement par provocation, par choix esthétique, etc. Donc toi, j'ai pu constater que tu faisais un petit peu la même chose. Est-ce que c'est chercher un clin d'œil à Jacques Roumain? Je n'ai pas cherché à le faire. Encore une fois, ce que je voulais, c'est de rester dans la vérité. Je pense que les Haïtiens, ils parlent vraiment ce français.
Oui, les gens, on va dire aujourd'hui, qui... il y a un Français haïtien. Ouais, ça je me tue à le dire, il y a un Français haïtien. Il y a un Français haïtien. On dit mon haïtien, tout maman n'est pas là, non. C'est pas maman n'est pas là, non. Ça c'est un Français haïtien. Voilà, justement, et bien de 11 gens. Bon, Jean, haïtien parle français, c'est seul haïtien qui parle comme ça. Et si je fais parler un haïtien dans un texte, je ne vais pas lui donner un langage, on va dire, déconnecté de sa réalité. Je vais faire en sorte qu'il reste le plus vrai possible. Bon, bagaille, moi, qu'on suit Emmanuela, je pense que je mets des outils pour véritablement interpréter. Il y a beaucoup d'haïtiens qui rentrent dans des supermarchés. Et vous constatez, on a acheté un 7-Up ou bien un Coca que tu as acheté devant maquette là, même moins cher. Toi, tu nous expliques ça d'une certaine façon. Tu nous dis, nous entrions dans les supermarchés, allez-y, demandez-leur. Là, ils vous diront que l'air conditionné nous aidait à nous imaginer à l'extérieur. L'extérieur, on nous a toujours dit qu'il était plus beau que l'intérieur, que là-bas coulait le lait et le miel. L'extérieur, c'est le froid. Et le froid, c'est être à l'aise. La misère, c'est le chaud, avec les aisselles aux 45 degrés, le spectacle de la sueur et les bouches fournaises. La misère, c'est la fournaise. Nous entrions dans les supermarchés et regardaient et expérimentaient le froid. Bonsoir, pas d'avion, s'il vous plaît. Merci. Donc, un peu le monde qui est entré dans market, yo. Donc, on a l'impression, c'est, à ton avis, c'est pour ça. C'est oui, pour quelque chose qui serait de l'ordre de l'extérieur, de l'étranger. Parce que oui, il y a une certaine distance entre les supermarchés et on va dire les marchés, les vrais marchés où les marchandes, elles sont... Déjà, elles crient, elles tapent. Donc les supermarchés, on a, quand on y entre, on a l'impression d'être ailleurs. Déjà le frais et l'odeur. Et c'est une expérience que beaucoup aiment faire, bien que non nécessaire certaines fois. Des fois, les gens entrent dans les supermarchés seulement pour marcher. Ouais. Et regarder. Ouais. Ou même pour faire des photos. Il y a des gens qui ont fait des belles photos. Il fait des belles vidéos. Oui. Mais est-ce que c'est la vue de l'abondance qui excite aussi? Parce qu'on market, Sylvain Achalandé, les tokou ont un espace d'abondance. Est-ce que tu penses que ce serait... ce désir d'accéder à cette abondance-là. Bon, oui, peut-être. Et un désir aussi de se dire que nous aussi, on a droit à l'abondance. Pas qu'on est, mais à un certain moment, on a l'impression par une top distance entre l'abondance-là et nous-mêmes. Et c'est pour être un peu plus près de cette forme d'abondance. Ah, le temps où je lisais seulement les vers, mais les utilisais peu comme semence pour la rue. J'ai cependant toujours parlé, il me le fallait. Franz, lui, n'aimait pas lire. Il préférait voir les films. C'est plus vrai, il disait. Ce que tu lis n'est pas toujours ce que l'écrivain veut que tu lises ou t'a donné à lire. Tu lis ce que tu veux. C'est donc ça? Oui. Parce que Mac est passé à ça, il me dit, ah bon, est-ce qu'on lit ce qu'on veut? Oui. Et non ce que l'auteur a voulu dire. Je pense qu'il y a autant de... de livres que de, on va dire, autant de lectures que de lecteurs. Et je pense que la littérature, c'est, on va dire, celui qui lit refait son texte. Donc, à chaque texte, on peut, on va dire que le texte peut se voir prendre une autre forme sous les yeux d'un autre lecteur, alors que ce sont les mêmes mots, c'est le même texte, c'est le même chant. Mais le lecteur, il reçoit le texte selon sa capacité de réception. Et il y a des gens qui ne comprendront pas au sommet de la plaine. Et ça, c'est normal parce que je pense que voilà, on lit ce qu'on veut, on lit ce qu'on peut. Donc le lecteur, il met son âme dans le livre, il met son expérience du réel, il met son histoire personnelle dans ce qu'il lit. Oui. Parce qu'au monde qui n'est pas contre Matisse, et on a dit un lecteur japonais qui a appelé où la difficile pour le temps des balios. Oui. Mais un petit monde qui m'artiste en Kouniala, qui va lire ça, va vraiment entendre les balles à chaque page. Oui, il y a un sentiment de proximité. Oui. Que vous avez développé le ou puis préparé là, le bah, la vibre et puis vibration plus ou moins intime. Donc, voilà, je pense.
Je rappelle que ce livre a pour titre « Au sommet de la plaine ». Je rappelle que mon invité s'appelle Emmanuela Derissin. Je vous rappelle que vous suivez l'émission « Des livres et vous ». Mesdames et messieurs, respirez. À tout de suite pour la dernière séquence de cette émission. À tout de suite. Antoine et moi, nous vivions de gens, de musique et de poésie. L'insensibilité devant ce que nous étions et faisions ne nous aidait pas. Nous n'y étions pas habitués d'ailleurs, vraiment pas. Alors on partait se saouler. La Bira Bento est ce bar où nous allions oublier tout ça. Bon, normalement c'est la Bira. On dit habituellement la Bira Bento pour l'associer à la ville Bento Gonçalves. Nous nous remplissions tous les ports de bière. Évidemment, côté goût, ça nous a pris un bon bout de temps avant de nous défaire de notre éternel prestige et de nous décider à faire ce qui était trouvable là-bas. Mais obligation, il y avait. Toute cette chose nous montait à la tête comme du sang. Ce pays laissé derrière, le besoin fort de la chaleur de Port-au-Prince, les verres qu'accouchaient nos lèvres, mais qui ne servaient pas à grand-chose là-bas. Morin qui perdait la tête quand il ne nous voyait pas rentrer pendant des jours. Le fait de devoir s'asseoir pour s'enivrer en silence. Un silence qui coûte en plus et échapper un instant à tout ça. À la rapidité des événements, à l'incapacité de s'adapter et de faire avec. On dit que l'être humain finit toujours par s'adapter. Antoine et moi, nous avons passé environ 3 ans sur une terre sans pouvoir nous adapter. Ça, c'est quand même pas mal. Il y a des gens qui sont des inadaptés, oui, qui ne vont jamais arriver à s'adapter. Oui, il y a des gens aussi qui sont faits pour un certain cadre de vie. Et quand ils laissent le cadre, eh bien, c'est le désordre. Mm-hmm. Et tout semble déstabilisé. Mm-hmm. Et l'équilibre, en fait, c'est sur la terre, ouais, natale. Leur équilibre, en tout cas, c'est avec les marchands, c'est dans la poésie, avec, on va dire, la proximité avec les Haïtiens, en quelque sorte. Et c'est ce qu'ils ont voulu. Et ce sont des acteurs, ce sont des gens qui vivent pour les oreilles, pour les yeux. Et à un certain moment, ils étaient tellement mal d'oreilles qu'ils ont entrepris, on va dire, un trajet incompréhensible, seulement pour que des gens qui ont besoin de lumière puissent les entendre. Oui. Et s'ils sont inadaptés comme migrants à l'étranger, cela sous-entend qu'ils font des dépressions aussi. Ce livre aussi porte ces paroles-là. Beaucoup d'Haïtiens sont dépressifs quand ils essayent de s'installer à l'étranger. Oui, et parce que c'est un peu dur de changer l'environnement. Déjà, si on n'était pas paré pour la chose, donc je pense que oui, ça peut créer un déséquilibre mental. Quand on voit que les choses ne se passent plus de la même manière et que les choses, on va dire, changent un peu trop rapidement, donc oui. Et l'alcool aussi, il me semble, comme paradis artificiel, on revient encore à Baudelaire, cette fameuse expression de paradis artificiel, l'alcool aussi est très présent dans la vie de beaucoup de migrants. Beaucoup deviennent des alcooliques, carrément. C'est peut-être, on va dire, la dépression qui mène là, et le besoin de se réfugier par. Après, les choses autour de nous n'avaient plus de couleur. Nous voulions au moins qu'il y en ait dans nos têtes. En silence, nous avalions le contenu des bouteilles. En silence, les cris se boxant dans nos crânes et les yeux collés à la tête, l'un en face de l'autre, là, mais absent. Encore l'alcool qui intervient et ça nous permet de placer un petit mot sur l'usage d'alcool. Les jeunes qui nous regardent, je sais que le contexte est très dépressif, on va le dire,
Mais ce n'est pas l'alcool qui va résoudre le problème. Au contraire, la consommation d'alcool peut détériorer votre état de santé. Et c'est arrivé avec nos migrants. Maintenant, la poésie est très, très, très présente dans le livre et dans la vie de tes personnages. Est-ce que tu penses que la poésie peut aider à sublimer le tragique? Oui. Et la poésie, en tout cas, je ne connais pas vraiment toutes les vertus de la poésie. Mais je sais que la poésie touche l'âme, que la poésie touche le cœur. Et que c'est divin en quelque sorte que des mots assis sur une page aient autant de pouvoir sur ce que nous ressentons, sur notre être. Et je pense que oui, il y a des gens qui vont mal et qui lisent un poème. Je connais une dame, en tout cas, je regardais une dame parler et dire qu'elle avait tout oublié, mais qu'il lui restait des poèmes et seulement des poèmes. Ah, ça, c'est pas mal. Hein? Voilà, c'est très beau. Est-ce qu'il y a des poèmes qui sont dans ton cœur, Emmanuela? Des poèmes que tu connais du coup par cœur. Parce que pour me réciter, voilà. Est-ce que c'est provocation? On va aller avec Sito Kavé. Ah ouais, on met dans le livre là tout en effet. Qui j'ai un poème, ça dit encore. Moi, un poème, Sito Kavé, m'a inventé, moi, mettez là. Mais c'est pas lui, non? Ouais. Est-ce que m'a songé? Pas gagné devant moi pour fâché encore. Et si tant que t'es c'est pour me remer. Tant pris l'amour, je me remets chaque jour. Printemps pour jouer avec moi, offrir tout ce qu'on aime, me remer. Familia, prendre ses tia avec oiseau paradis. Et puis, quand elle a pour entrer l'ouvre, les fesses au pito. Pimpé, mon lèvre, fesse ma tête. Foutre-moi sous dos, boisson, chérie, dans le bras pour moi. Par contre, tu me fidèles à poème, non? Mais en tout cas, c'est. Ouais, c'est exceptionnel. On l'aimerait laisser dans le téléphone. Et il devient la caille moins, il bon quantité on produit, voilà. Donc, si tu rentres, puis je m'assure que si tu es bien arrivé. Puis, dans deux matins, je dis si tu es comment y est. Je dis dans le jeu, je ne sais pas de fâche, je ne sais pas de profil. C'est même pas mal comme phrase. Comme oui. Si même dans sa vie de tous les jours, je poète. Voilà. Il va prendre cils de face, il va prendre cils de profil. La poésie se vit aussi. Je pense que ceux qui écrivent de la poésie sans la vivre sont faux. Et son, on va dire, ne sont pas très beaux. Donc, on peut essayer de vivre la poésie ou plus belle la poésie ou un rapport développé à la poésie qui est plus vrai. Pendant que je campé là, j'ai envie de dire toute histoire. J'ai envie de sémenter. J'ai envie de sémenter jusqu'à l'autorité. J'ai envie de craser. J'ai envie de soleil bouler. J'ai envie de pieds boissés. J'ai envie de tous les oiseaux fous. J'ai envie de les baleines. J'ai envie de les bougies. Mais c'est un poète qui est très, très, très provocateur. Tout. On finit le livre là sous un passage qui est en créole et un passage qui est théâtral. Manvi Mando, dans une autre vie d'auteur, est-ce que tu te vois dramaturge? Tu te vois écrire du théâtre aussi? Théâtre, ce que j'aime avec le théâtre, c'est que la parole, elle est autonome. Pas dit personnage a dit rien, personnage a dit lui-même. Et est-ce que je peux m'imaginer dramaturge? Je pense que je dois respecter l'essence de la chose et m'asseoir et apprendre. Donc je ne me vois pas précipiter les choses. Donc s'il faut que je sois dramaturge, je pense que ça viendra naturellement. Moi, je ne commande pas les choses. Je n'ai pas à commander au théâtre de venir dans mon texte. C'est venu tout naturellement. Donc je pense que ça se fera de par lui-même. Ouais, en écriture maintenant, d'écriture de fiction, tu as quand même, comme aurait dit Lionel Trouillot, tu as beaucoup de souffle. Lionel, quand blague, quand tu es un jeune écrivain, tu fais deux livres tout petit, deux livres qui ont 30 pages, 40 pages. Franck Etienne, il m'a fait un pile, Franck Etienne dit, tu as un souffle, 20 pages, 30 pages, et c'est foutu. Toi, tu nous as fait vraiment, comme on dit, un bon pavé. Est-ce que c'est histoire qui t'est remplie ou comme ça, tu as voulu rien perdre de cette histoire? Et du coup, les pages se sont mises à se remplir comme ça? Bon, oui, c'est pour être juste et être fidèle à la complétude, voilà, à la complexité de l'histoire. Et pour ne pas manquer certaines choses. Mais je pense aussi que c'est le prix qu'il exigeait. Donc, en format Word, le texte, il fera environ 100, 110, 120 pages. Et en format papier, c'est un peu plus. Donc, il fallait respecter les règles du concours. Et puis, oui, l'histoire, elle ne se termine pas
comme si les auteurs ils ne terminent pas l'histoire. Les, autres, les histoires, elles se terminent elles-mêmes. Et si l'histoire n'est pas finie, on sent si la main qu'on va y aller. Et si, si l'histoire, on va dire, si l'histoire est... Si aucun bel drop, on sent si la faux. Donc, c'est rester dans la justesse. Et, Et en parlant d'écriture et d'apprentissage, est-ce que tu penses qu'on peut apprendre quelqu'un à écrire? Si oui, est-ce que toi, quelqu'un ou certaines personnes t'auraient à apprendre? Je pense qu'il y a le talent et le don. Et il y a le monde même qui a commencé à apprendre à écrire, je suis arrivé à 65. Il n'y a pas besoin qu'on écrit. Je pense qu'il faut du cœur, il faut de l'âme. Oui, il faut que, qu'il y ait des personnages, que l'histoire elle s'étend sur une, voilà, sur une certaine, on va dire, durée. Mais il faut du cœur. Je crois que les mots ne valent rien si elles ne portent pas quelque chose de très profond. Il y a des passages qui sont quand même dans un bon blackout dans ton livre. Il y a des passages qui sont un petit peu dépressifs. J'ai marqué ce, ce passage-là. On me dit qu'il n'y a plus de pays, Jean. Ce n'est pas ce que j'ai laissé avant l'avion. Les choses n'étaient pas douces quand je suis parti rendre visite aux nuages et marcher sur d'autres terres. Mais elles sont carrément miel aujourd'hui, miel et fiel. À l'heure qu'il est, on me dit que la rue est le résumé du mot danger, qu'il ne faut sortir sans besoin et que les hommes, pas seulement le soir, à toute heure, se font soit surprendre par une balle à couleur marron, soit attrapés comme rien par des ramasseurs d'hommes et ne seront remis à leur famille qu'à condition qu'on leur donne, aux ravisseurs, une somme d'argent qu'elle n'a jamais connue, imaginée ou eue. C'est ça le drame du kidnapping que tu mentionnes dans ton livre-là. Parce que des fois, on kidnappe des gens, la somme d'argent qu'on te demande, tu n'arrives même pas à t'imaginer déjà cette somme. C'est une somme que jamais tu as pu voir dans ta vie, mais c'est ce qu'on te demande. C'est un roman anti-kidnapping? Là, on a un problème net, là. Bon, c'est un roman humain. Et je pense que l'humanité est pour la liberté, pour le bien-être, pour l'aise. Et je pense que le réel s'est imposé dans mon fait littéraire. Moi, je veux un roman avec plein de couleurs, de belles couleurs. Je veux un roman avec de la poésie, avec de l'amitié, avec de la complicité. Mais voilà qu'il y a du sang dans mon texte. Ouais, ouais, il y a du sang, il y a du kidnapping. Et mais heureusement qu'il y a beaucoup de poésie aussi. Oui, oui. Donc, on va dire qu'il y a un peu d'équilibre. Parce que oui, la vie, est, c'est du blanc et c'est du noir. Donc, c'est ça. Il y a des jeunes qui te regardent, qui sont soit à Cambry-l'Oiseau comme toi, ou bien qui sont dans d'autres écoles, ou qui sont dans des quartiers difficiles, des quartiers qu'on taxe de ghetto. Ouais. Mais c'est, en plus, les jeunes sont justement dans la dépression. Ils n'ont pas, imaginé l'avenir dans le pays. Il y aura le pays à même souveler, etc. Donc, toi qui es jeune dans ce pays, toi qui as du talent, toi qui es auteur, qu'est-ce que tu aimerais dire à des jeunes qui te regardent là maintenant, mais qui sont dans des quartiers difficiles, dans des ghettos où on tire à hauteur d'homme, à hauteur de vie? Bon, je pense qu'il faut toujours croire en la lumière. Je pense qu'au bout du tunnel, voilà, il y a toujours quelque chose qui nous attend et qui est plus beau que ce qu'on vit là maintenant, qui peut paraître extrêmement laid. Se réfugier quelque part aussi, peut-être que la littérature peut aider. Et moi, quand je veux échapper à tout ça, je cherche quelques pages et je m'oublie parce que la littérature permet aussi de quitter l'espace et d'aller vers quelque chose de meilleur. Donc, c'est de croire aussi en ce qu'on a de précieux, de croire en ses rêves. Ça peut paraître, on va dire, cliché. Mais oui, je pense que les rêves, ce sont des cordes qui peuvent nous aider à ne pas céder au gouffre, comme je l'ai dit dans le texte. Donc, il faut vraiment, on va dire, tenir ses rêves très, très, très près de soi. Et si tu dois laisser chez toi en toute urgence, bon courir, il faut quitter la caou, si tu dois prendre 5 livres avec toi? 5 livres? Quel livre tu prends rapidement? Maman dit, fais la pète. Quel livre tu prends? Bon, est-ce que je réfléchis? Oui, c'est que juste prends un livre. Prends un livre, je prends, c'est Agacer l'espérance, Lionel Trouillot. Et texte en créole, Lia. Je prends La plus secrète mémoire des hommes, de Mohamed Mougarsa, qui s'est pris Goncourt 2021. Pris Goncourt, quand même. Premier scrutin. Premier tour de scrutin.
Et je pense que ça, voilà, c'est, ah, c'est du jamais vu. C'est hein. Génial. Écrivain sénégalais en plus, hein. C'est pour les jeunes qui nous regardent en Haïti. Oui. Comme quoi, hein, vos rêves n'ont pas de limite. Hein. Oui. Mm-hmm. Parce que je m'apprends Parabole du Failli de Lionel Trouillot. Mm-hmm. Bon, je m'apprends un paquet de Trouillot. Oui. Mais je m'apprends Compère Général Soleil. Mm-hmm. Et son texte était fait tirer en pile. Ah ouais? Uh-huh. Il a rien touché. Moi, je suis un vieux sensible. Mm-hmm. Et puis, m'apprends L'amour avant que j'oublie. Trouillot encore. Ouais, L'amour avant que j'oublie. Mm-hmm. Mais tu aimes beaucoup l'œuvre de Lionel Trouillot, en effet. Écrivain haïtien contemporain qu'on a aussi sur ce plateau à plusieurs reprises. Oui, pourquoi Lionel? Parce que Lionel est dans les belles phrases. Ouais, ça, c'est vrai. Ah. Oui. Trouillot, c'est aussi un écrivain très humain, comme j'aime le répéter. Monsieur écrit avec un peu l'humanité, avec un peu de sensibilité. Mm-hmm. Donc, monsieur montre que, voilà, que les humains sont capables de beauté et de bonté, de tendresse, de douceur. Mm-hmm. Et moi, c'est ouais. Tout ce qui me prend le cœur. Voilà, tu porterais ces livres-là avec toi. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut trouver au sommet de la plaine les gens qui regardent cette émission? Bon, les gens peuvent me contacter au 49190913 pour avoir un exemplaire. Mais c'est très vite là, les gens n'ont pas le temps de noter. 49190913 mm-hmm. ou bien les gens peuvent passer à chez toi, certainement, mm-hmm. et acheter un livre. Ah ben voilà. Mmh. Et Emmanuela, c'était un plaisir de te recevoir c'était sur ce plateau. C'était un plaisir, merci beaucoup. Ouais, j'ai aimé aussi la dédicace que tu as laissée pour moi. À Danger Lounéa, l'homme bonheur. Comment tu sais que tu es l'homme bonheur? Bon, parce que je regarde beaucoup des livres et vous déjà. Ouais. Moi, j'adore écouter parler de la littérature. Ouais. Donc, j'écoute beaucoup de podcasts sur la littérature. Je regarde beaucoup d'émissions sur la littérature. Donc, mmh. Délivrez-vous, je regarde beaucoup. Ouais. Donc oui, je sais parce que vous ne manquez pas de le dire. Ah ouais, c'est vrai. Parce que dans ce pays-là, il faut que quelqu'un parle du bonheur quand même. Voilà. Sinon, on va tous dépérir. C'était un plaisir. J'espère que tu vas continuer à produire d'excellents romans et que ton avenir sera tout bien tracé. Merci. Dans les sphères les plus célestes de la littérature contemporaine, tout court, hein, que tu puisses briller dans tous les milieux. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que le livre d'Emmanuela Dérissin a pour titre Au sommet de la plaine, qu'elle a reçu le prix Amarant 2021, concours organisé par les éditions C'est toi, que nous félicitons, Fred Brutus, Marc Xavier. Je veux également, mesdames et messieurs, vous dire que cette émission ne serait pas possible sans l'appui de tous mes collaborateurs.